Jeg befinner meg i Kongo, landet hvor 1 million mennesker er smittet av HIV. Jeg var med til et av Leger uten grenser sykehus, hvor de prøver å redde livene til noen av de som er smittet. Inne på sykestua ligger det veldig mange syke. Det er en blanding av barn, voksne, unge gutter og tenåringsjenter. Comme tu vas le constater, les patients arrivent en général très tardivement, en très mauvais état général. And is it so late that they may be dying? Yeah. Ils arrivent tellement tard, l'équipe essaie de faire le maximum, mais en général, un patient sur quatre décède. Maria forteller at hvis de får tag i de som er smittet tidlig, blir 9 av 10 tilnærmet helt friske. C'est vraiment très important pour la population parce qu'on est quasiment la seule structure qui offre gratuitement les soins aux patients vivant avec le VIH à travers le pays. Les 6 premiers mois, c'est très difficile pour les patients. Mais à partir des 6 mois, les patients y redeviennent stables, tout à fait normal comme toi et moi, et y redeviennent actifs. What is the sound outside? Nous venons de perdre un patient et la famille est triste parce qu'on est en train d'acheminer le corps à la mort. Jeg tenker hele tiden på når jeg kommer hjem, så vil jeg gjerne dele dette med datteren min, for jeg vil at hun skal få rede på hvordan verden er. En av de som har fulgt Leger uten grensers program og fått medisiner i 9 år, er Vicky. I 2004 ble hun syk. Il y a un monsieur qui m'a vu à la porte, il m'a demandé si je peux faire les examens pour le VIH-Sida. Ce jour-là, vraiment, c'était un grand jour pour moi. On a fait les examens, c'était positif. Une semaine après, j'ai commencé encore la tuberculose, avec les 20 kilos de tuberculose. Après 4 mois de traitement, j'ai raconté un patient ici de CHK. Bonjour. 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 Ça va bien? Je m'appelle Yana. Jean-Baptiste. Nice to meet you. But she was day by day sick. She was alive. Yeah. Because I want to do something with you. Yeah. Il a dit, sois fort. Tu ne vas pas mourir, je vais t'épouser. Quand il a dit ça, j'ai eu la force. So then you fight it to be healthy. Il m'a donné la force de continuer les traitements chaque jour. Jean-Baptiste kjøpte en telefon til henne, så han kunne ringe til Vicky hver dag for å passe på at hun tok medisinene sine og ikke fikk tilbakefall. Det overbeviste henne om at han mente alvor. We have nowadays 7 years. 7 years. 7 years. Been married. Yes. That's beautiful. Mm-hmm. And then you got this beautiful son. I'm going to show you the day when they check the baby, the last test. Mm-hmm. It was no infection. Mm-hmm. And I called my wife at home at time. The baby is negative. How did you feel then? Very good. And he began to cry herself. Et moi, j'ai vécu cela, j'ai eu un enfant. C'est le plus joie que j'ai. Allez-vous, Vicky et Godine. En tout cas, vous avez creusé un trou chez moi. Vicky, c'est moi. Donc, c'est la partie de moi-même, quoi. Vous ne pouvez pas enlever Vicky. Quand vous enlevez Vicky, si elle tombe malade, donc c'est ma maison qui est anéantie. Hein? Donc ça reste comme ça, intact. Hein? Donc c'est Vicky, ça reste comme ça. J'aime Vicky. Je ne savais pas que deux personnes avec HIV pouvaient avoir un frisk barn. Godwin er et lite mirakel, som ble til fordi Vicky og Jean-Baptiste fulgte Leger uten grensers behandling. De må fortsette med medisiner og oppfølging resten av livet.
Uten det kan moren til Godwin bli syk igjen, og faren. Og da har han ingen. Nous qui sommes rejetés, abandonnés, nous sommes nombreux, nous sommes nombreuses. Ni TTMSF, je ne sais pas si je peux vous voir aujourd'hui.